Des nuages de gaz lacrymogène dans les rues d'Istanbul, la Turquie a connu une nouvelle nuit d'affrontements entre manifestants et policiers. Une partie de la population proteste contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, fustigeant sa dérive autoritaire après la mort d'un jeune homme lundi soir à Antakya. D'après sa famille, ce manifestant serait décédé suite à un tir de cartouche de gaz lacrymogène. Les autorités réfutent cette thèse et attribuent sa mort à une chute. Quoi qu'il en soit, ce décès a ravivé la contestation un peu partout dans le pays. L'AKP, le parti au pouvoir, est accusé de vouloir islamiser la Turquie. Pour Recep Tayyip Erdogan, cette fronde populaire est fomentée par l'opposition à 6 mois des élections municipales.